Pour moi, ça a été déjà une découverte parce que je ne connaissais pas le CESE. Participer à ce groupe citoyen, c'était une expérience très enrichissante. Et être élu pour aller à la commission temporaire, quelque chose d'encore plus précieux. C'était très intéressant, très, je vais me répéter, enrichissant. Et puis ça m'a aussi ouvert beaucoup l'esprit par rapport à la politique, par rapport aux problématiques en ce moment. On a été très bien accueillis, puis intégrés dans la commission. On a au début un petit peu de mal à s'intégrer parce qu'on se demande si on est légitime, si on peut parler, si on peut poser des questions et surtout et n'importe quoi. Et en fin de compte, une fois qu'on est à l'intérieur, eh ben, ça se déroule tout simplement. On participe, on pose des questions et puis on est là et on fait partie de la commission. Pour quelqu'un qui arrive à la commission, il y a le président au milieu, les deux rapporteurs de chaque côté. On a un peu l'impression d'être dans une cour d'assises ou un tribunal. Après, d'un côté, on voit le groupe entreprise avec des gens qui ont un certain poids dans des responsabilités. Et puis de l'autre côté, il y a les syndicats, les personnalités qualifiées. Mais ils ont l'impression que moi j'ai eue, c'est qu'ils se regroupent quand même par affinité. Et puis nous, il y avait nous cinq là sur le petit côté. Et puis après, on s'est pas toujours mis tous ensemble, puisque quand on arrive, les gens se placent comme ils arrivent. Donc des fois, on est un peu plus loin, donc on discute avec nos voisins, on partage des idées. Et c'est intéressant de partager ces idées et de voir qu'en fin de compte, notre avis peut être écouté et partagé. Donc, c'est intéressant.